oui. Je kiffe ça parce que ça fait ressortir ta beauté d'abord au départ. Quand tu portes ce genre de jean là, avec ça derrière là, maman Nangaï, ça glosse. Non, non, pas du tout. Bah, parce que la chirurgie esthétique, déjà, elle a des effets secondaires sur le corps. Non, je ne pourrais pas avoir recours à la chirurgie esthétique parce que je pense que c'est contraire à la nature déjà, à comment Dieu nous a créés. Et ça peut avoir plusieurs problèmes parce que, comme nous voyons sur les réseaux sociaux, quand on a recours à la chirurgie, il y a des femmes qui ont les seins explosent ou les lèvres, elles ont des complications. Et me voir faire ça, c'est vraiment atteinte à ma dignité. Non, je pense pas. Parce que pour moi, en fait, je pense que je m'apprécie déjà comme Dieu m'a créé. Certains disent de moi que je suis narcissique, peut-être parce que je m'aime trop. Je m'aime comme je suis, en fait. Donc pour moi, avoir recours à la chirurgie esthétique serait quelque chose de pas possible, en fait, même pas envisageable. La chirurgie, moi, je ne suis pas d'accord avec ça parce que la chirurgie, normalement, elle ne me tient pas à cœur. Voilà. Vu que la chirurgie, elle permet encore de ouvrir certaines astuces dans le corps humain, nous modifier. Donc moi vraiment, je n'y mets pas, voilà. Je ne suis pas vraiment dans ce domaine. Je pense que non. Parce que c'est un problème d'avoir de confiance en soi. Il faut avoir confiance en soi et s'accepter tel qu'on est en fait. Après, il y a les conséquences, la chirurgie esthétique. On ne sait pas ce que ça peut causer à long terme aussi. Je dirais si vraiment c'est nécessaire. C'est-à-dire que si la raison qui me pousse à le faire alterne ma qualité de vie. Si je suis par exemple brûlée sur le visage ou si j'ai un handicap vraiment qui perturbe ma vie au quotidien, je crois que je n'hésiterai pas, je le ferai. Non. Non, pourquoi? Parce que j'aimerais vieillir progressivement. Avec la chirurgie esthétique, après, il faut un suivi. Quand il n'y a pas de suivi, c'est pas vraiment ça, c'est pas bon.